أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ عيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tout du monde, qu'il est musulman, qu'il est non-musulman, il y en a un désir de sur la vie. Il y en a un but, un objectif de sur la vie. Et parmi l'objectif de chaque du monde, c'est qui lui fait réussite dans la vie. Mais définition réussite, pour un démon qui n'a iman, pour un démon qui croit de Allah subhanahu wa ta'ala, pour un démon qui croit de jour qiyama, pour un démon qui croit de paradis, il n'est pas pareil comme un matérialiste. Définition réussite. Pour un qui veut vivre dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, pour un qui croit de paradis, qui croit de akhirat, cette définition de succès n'est pas pareil. Comment un matérialiste, un celui qui veut vivre pour dunya, un celui qui consiste le monde dunya, pour sa bonne qualité du monde là, pour sa bonne qualité du monde là, un matérialiste, un qui veut vivre juste pour dunya, un qui consiste dunya, un qui oublie akhirat, sa bonne du monde là, il est capable d'être musulman aussi. Cette définition de succès, c'est une définition qui a relation avec une petite chose mondaine. Par exemple, un démon, pour les succès, réussite, veut dire qu'il y a un grand place de travail. Pour un autre, il est capable, il y a un grand certificat. Pour lui, ça veut dire réussite. Pour un autre, capable, il y a un grand business qui peut marcher, qui peut faire beaucoup de profit. Pour lui, ça, c'est la définition de succès, de réussite. Pour soit un autre démon, il a beaucoup d'enfants. Pour lui, ça veut dire qu'il fait une réussite dans la vie. Donc, chaque démon, surtout le matérialiste, le qui, l'esprit, s'est attaché avec Dunia, ce démon-là, cette définition de réussite, de succès, les boubases, les bonnes choses mondaines. Mais celui qui a iman, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Qui veut dire réussite? Parce que ça m'a une petite chose qui nous fait penser, réussite là, moi j'ai une belle place de travail, moi j'ai une grande la case, moi arrive 60 ans, moi j'ai fini de marier tous mes enfants, moi travail, moi j'ai marié tous mes enfants, ça m'a une définition de réussite là. Alors c'est une réussite qui est pour un certain temps seulement. C'est une réussite qui est éphémère, qui est temporaire. Du moment que ça dit mon là, fin de un cadavre, nous ne pouvons pas pour cause concernant cette réussite tout le long de la vie. Pour arriver à un certain temps, nous oublier ça dit mon là, et aussi nous oublier concernant une petite chose qui nous fait dans la vie, qui nous considère comme une réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Ali Imran, surah 3, ayat numéro 185, Allah fait nous connaître qui veut dire réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. C'est lui qui joue qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala fait une épingle, Allah fait une sapli depuis l'enfer, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. Allah fait une ferie rentre de paradis. Faqad faz, ça qu'appelle réussite. Ça qu'appelle succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait faire réussite, il fait faire succès. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à y être là, il dit, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. La vie mondaine, bonne jouissance qui est née dans sa dunya là,
C'est une petite chose, une jouissance qui trompe beaucoup de monde qui est embêté. Tout de suite après que Allah subhanahu wa ta'ala a fait nous connaître, qui veut dire réussite, Allah rappelle nous concernant la réalité de la vie dunya. Qui fait? Parce que comment nous fait dire? Allah c'est lui qui fait créer nous, il connaît nous-mêmes plus bien que nous. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît. Qui vont dire que les gens qui vous considèrent ce réussite comme une chose moderne. La cause qui Allah averti nous. Après qu'il fait nous connaître, qui veut dire réussite, Allah averti nous. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Alors la vie moderne, c'est une jouissance trompeuse. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, passez nos réussites, parole de nos succès de une chose moderne. Parce que ce bon succès-là, comme on dit, c'est un bon succès éphémère, temporaire. Tandis que vrai succès, succès qui est éternel, c'est le paradis. Inch'Allah, dans ces quelques minutes qu'il y a devant nous là, nous allons apprendre concernant comment est-ce qu'un démon est capable de gagner sa réussite là, de faire sa réussite là. Nous allons dire que sa réussite là, qui était ça, c'est paradis. Et nous connaissons bien. Paradis les trouve dans l'akhirat. Paradis les trouve dans l'akhirat. Paradis les pas trouve dans la terre. Veut dire si un démon a envie de faire réussite, il a envie de faire paradis, il besoin travail pour l'akhirat. Ça dit mon là, il besoin travail pour l'akhirat. Mais les malheureux qui beaucoup parmi nous, nous laissons nous-mêmes embêter par la vie dunia. Nous connaissons la vie dunia, nous pas réaliser, nous pas prendre compte, nous pas penser concernant nos akhirat. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer ça le monde là, qui fait mettre tout ça en jouissance, tout ça en plaisir là, Allah même peut faire nous connaître. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même peut faire nous connaître. Fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya. Pas laisse la vie dunia embêter. Pas laisse la vie dunia embêter. Comme dit mon qui finit par embêter par la vie dunia. Peine à l'adoration à Allah de cela vie. Ramater tantôt les conditions de travail. Les faire overtime, travail. Fini travail, distraction. Ça dit mon là, il n'est pas connu Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie Allah, il oublie l'adoration à Allah. Donc, pour nous capables, faire sa réussite là, pour nous capables de gagner paradis, il faudrait qu'un démon lui donne priorité à l'akhirat. Il faudrait que ce démon là lui donne priorité à l'akhirat. Parce que pour gagner paradis, pas une petite chose facile ça. Pas une petite chose facile pour gagner paradis. Il y a des efforts, il y a des sacrifices, il n'a pas chance pour prendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, am hasibtum an tadkhulu al-janna. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pour rendre le paradis? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Et Allah pas pour Allah subhanahu wa ta'ala pas pour connaître qui sont là parmi eux qui s'agit mon là les fait des efforts wa ya'lamu as-sabirin qui sont là parmi eux qui s'agit mon là les fait prend pas chance. Parce que pour vivre dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande beaucoup de chance. Il demande que ce monde-là lui fait un jihad avec son nafs. Il demande que ce monde-là lui fait un jihad avec son nafs, il prend pas chance. Et aussi, nous devons rappeler qu'il y a l'ennemi qui appelle Iblis. Qu'il n'est pas pour content quand il peut trouver nous et prend chemin paradis. Il n'est pas pour content quand il peut trouver nous, mais faire une bonne action. Il peut faire tout pour lui égarer nous. Il peut faire tout pour lui faire nous désobéir à Allah. Pour faire nous commettre une désobéissance. Pour faire nous prendre chemin à l'enfer ensemble avec lui. Comme Allah fait connaître. Il n'a pas de rizbahu li yakounu min ashabi sa'ir. Il invite sur une partie. Ça pour venir parmi les habitants de l'enfer. Donc pour faire ce vrai succès là, pour gagner paradis,
faudrait qu'il y ait un démon qui fait des efforts. Faudrait que ce démon-là lui fait sacrifice, lui prend pas chance, lui donne priorité à Akhirat. Pense concernant Akhirat. Travaille pour Akhirat. Fais une action qui vous profite nous pour Akhirat. Fais une action qui vous amène nous, vers le paradis. Mais ça veut dire qu'il y a un démon, une église d'Ounia, les restes dans Masjid 24, le 24, les restes dans l'adoration Allah toute longue sur la vie. Les pas donne sur les courses au droit, tous les jours les gardes rosa. Et la nuit entière, les restes fait la masse. Non! Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » Pas oublier ton pas depuis la dunya. Parce qu'il nous peut vivre dans sa dunya là. Pas de nous, elle reste en montagne. Elle reste nous avec des mounes. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous, pas oublier nous pas depuis la dunya. » Mais il ne faudrait pas que sa dunya là vienne un moyen que nous oublions akhirat. Que nous oublions que nos succès les trouvent dans le paradis et le paradis trouve dans l'akhirat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Ibn Majah. C'est lui qui se préoccupe à son dunya. C'est lui qui se préoccupe à son dunya. Il y a un tracas dunya. Ça dit mon là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire pauvreté apparaître devant lui. Et aussi, il n'y a pas pour gagner depuis de sa dunya là, excepté ce qui Allah fait décréter. Et c'est lui qui se préoccupe à son akhirat. Ça dit, mon là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre contentement dans ce qui est. Et sa dunya là même pour venir vers lui. Sa dunya là même pour venir vers lui. Même si ça dit mon là, il n'y a pas où les manques de choses modernes. Il n'y a pas où les sa dunya là, mais sa dunya là même pour venir vers lui. Allah vous facilite lui dans sa dunya là. Peut-être nous le remarquons. Quand nous vivons dans l'obéissance à Allah, nous avons la frayeur pour Allah, nous devons vivre pour Akhirat, nous trouver comment ça, le monde là, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous. Allah facilite nous dans le bon travail qu'il nous fait. Dans nos bandes démarches qui nous fait, Allah facilite nous dans nous la vie. Donc, pareil comme un démon, pareil comme un démon pour les récits atteindre sa succès, qu'il ne peut penser succès là. Pour les récits, il y a un bel post-travail. Il a des faux sacrifices qu'il fait. Il a des faux sacrifices qu'il fait. Il apprend combien de bananes. Combien la nuit, il va dormir, il révise. Pour qu'il ait un bon résultat, après à travers ce bon résultat-là, il a une bonne place de travail. Il fait ses faux. Pour qu'il reste un million qu'il lui appelle succès, sa réussite, il fait ses faux, il travaille, il rentre. Ça qui est chose d'unia. Qui nous peut trouver succès, nous connaît, nous avons fait ses faux, nous avons fait sacrifice. Mais sa vraie réussite qui appelle paradis, ça ne nous pas intéressé. Nous pas faire ses faux. Nous ne pas faire sacrifice. Deuxième petite chose qui nous amène vers réussite, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans surah Al-Ahzab. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. C'est lui qui obéit à Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui fait faire une grande réussite. Donc, si mon vie est paradis, il passe par l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas attendre qu'il me bouge un paradis comme je peux vivre la vie comme je voulais. Me faire action qui moi me trouve bon. Même cette action-là, Allah fin défendre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre. Mais moi, mon esprit me trouve le bon. Moi, mon esprit me trouve le bon. Mon désir, mon passion me trouve le bon. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. C'est lui qui obéit à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire un grand réussite. Qui veut dire l'obéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Tout l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donner,
tout l'autre que Allah subhanahu wa ta'ala fin donné, me mettre ça l'autre là en pratique. Tout l'autre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donné en d'autres mots, tout ce que Allah fin déjà fait sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, me mettre ça l'autre là en pratique. Tout ce que Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre, me reste loin. Parce que quand Allah peut défendre moi une petite chose, il faut dire ça quelque chose là, vraiment, il n'est pas bon pour moi. Mais seulement nous l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre ça quelque chose là. Nous ne pouvons pas comprendre que quand Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre moi une petite chose, il faudrait vraiment ça quelque chose là, pas bon pour moi. Et non pas me dire, moi, je ne connais que Allah et son Rasul. Moi, l'esprit me trouve les bons. Par exemple, Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre la boisson alcoolique. Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défendre la boisson alcoolique. Moi, je ne peux pas dire il a plaisir là-dedans quand vous boire. Il stresse aller quand boire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît. Qui m'a dégâts la boisson alcoolique, il fait premièrement point de même sur l'écho. Ensuite, pour la société, combien de crimes finissent arriver à cause de la boisson alcoolique? Donc, si on dit Allah et le Rasoul, si on dit qu'il y a envie d'un paradis, il passe par l'obéissance à Allah et l'obéissance au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si un démon lui fait une action, qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné, sa action là pas acceptée. Action là, les rejeter. Donc tout ce qui, toute bonne action qu'il m'a fait, bonne bon action, faudrait qu'Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne moi l'autre, Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseignement pour faire sa action là, et Allah m'a fait action là. Mais il y a certains démons qui peuvent faire croire que le succès les trouve juste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pour gagner le paradis juste à travers obéir à Allah. Juste prend compte ce qu'il y a dans le Coran. Parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas prendre compte, rejeter ça. Ce bon démon là, les malheureux, beaucoup finiront embêtés par ce groupe là. Qui peut faire croire que le succès est un monde, qui dit monde là pour gagner le paradis, juste à travers le Coran. Juste à travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète se sunna, sa parole, pas important. Troisième, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Buruj, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله سبحانه وتعالى فينوكن إن الذين آمنوا سيدنا مبان كيف نعمل إيمان وعملوا الصالحات وفين سويف سا إيمان لا مبان بو أكشن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سبان جمون لا بوزوت إنا باراديس sous lesquels ben, la rivière coulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dhalika al-fawzul kabir » Ça c'est une grande réussite. Ça c'est une grande réussite. Et c'est lui qui, après qu'il ait fait l'amène iman, il fait faire une bonne action pour lui et un paradis. Ça c'est une grande réussite. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait nous connaît, comment nous dire, sa vraie réussite là, c'est paradis. Et donc, pour mon gain paradis, il faudrait qu'il me fasse une bonne action. Les là, pour gagner paradis, les là, me fasse sa réussite là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 23, surah Mu'minoun, il fait nous connaître qui bonne action, qui bonne action qui peut amener vers réussite. Qui bonne action qui peut faire un croyant faire réussite. Allah subhanahu wa ta'ala li commence sa ayat là par qad aflah al mu'minun. Ban mu'min fin fait réussite, fin fait succès. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala li mentionne certaines ban actions qui ban la fin fait qui fin amène vers autre réussite.
Première action qui Allah mentionnait, Alladhina hum ala salatihim khashi'un. Ban ki tiena khushu, tiena concentration dans cette namaz. Ban ki namaz participe à l'exercice. Ban ki namaz participe à certaines positions qui vous peut faire. Peut débouter, puis assiser, peut prosterner. Non. Pour cette namaz, c'était une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un ibadat que j'ai l'esprit qui présent. Que j'ai l'esprit qui présent. Donc, il pense Allah subhanahu wa ta'ala dans cette namaz. Et non pas, comme beaucoup parmi nous, nous namaz sont venus dans nos jours, une namaz routine. Un namaz que nous disons, levé, baissé. Un namaz que nous disons, l'exercice qui nous veut faire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Qui en dimoun les gars récompense pour sa namaz qu'il est fait faire là, d'après sa dimoun là, son khushu, son concentration qu'il est tient là. Donc ce n'est pas une petite chose qui nous vise à prendre à la légère. C'est une petite chose qui est bien importante. Comme on peut faire namaz, beaucoup concentrer. Et non pas depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis qu'on fait Allahu Akbar jusqu'à Salam, mon esprit reste voyager. Pépense travail, pépense manger, pépense boire, pépense film, pépense football. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, il fait nous connaître. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, la masse n'y empêche un démon de faire une mauvaise action, une action immorale. Combien de démon qui me fait 5 fois la masse? Combien la masse? Mais c'est pas sur la vie remplie avec désobéissance. Pas capable d'arrêter de désobéir à Allah. Pas capable d'arrêter de commettre péché. Qui fait un point une bonne raison? Ça n'a pas fait l'effet qui bisait le lit. Sa namaz n'a pas fait l'effet qui vise le lit et un manquement de son namaz. Et un de ban manquement qui est là, peine à sa khushu, sa concentration qui vise en là. Donc si nous avons fait réussite, chacun parmi nous nous guette qui qualité namaz qui nous peut faire. Et si bizin amène amélioration, nous améliorons nos namaz, nous servons un moyen qui est là pour nous capables, nous gagner concentration. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Ban qui tourne les deux avec ban mauvaise parole. Ban parole qui est un mensonge. Ban parole qui est un ribat pour cause du monde. Quand on trouve un groupe du monde pour causer. Quand il y a un mensonge là-dedans, pour prendre le nez à un tel, pour cause mauvais concernant un tel, nous tournons les deux avec sa qualité. Ben, Dimoun là. Nous pas participer ensemble. Nous pas donner coup de main ensemble. Nous pas dire mon bénéfice écouter. Non. Tourne les deux. Allez. Walladhina hum li zakati fa'ilun. Ban ki donne zot zakat. Ban ki zakat fin obligatoire le zot. Sa ban Dimoun là zot tia zakat. Walladhina hum li furujihim hafidhun. Ban ki préserve zot partie privée. En d'autres mots, vous restez loin avec l'adultère. Illa ala azwajihim ou ma malakat aymanuhum, excepté avec votre madame, ou soit avec ceux qui ont la main droite possédée, c'est-à-dire votre esclave. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ban ki. Quand vous confiez à un amanat, vous ne pas trahir. Ban qui, quand vous faites une promesse, vous respectez cette promesse. Des petites choses qui sont importantes. Des petites choses qui sont importantes, qui nous prennent à la légère. Nous ne pas réaliser ces petites choses-là, qui sont capables d'une source d'un succès. C'est un des bons moyens qui promène succès. C'est-à-dire qu'on fait confier une amanette pour ne pas trahir. Fin de moins certaines sommes l'argent, un certain document important pour garder. Quand Pérou de ce document-là, ça l'argent là avec moi, me retourne pareil comme tu donnes moi. Ou soit un dimon qui n'a confiance dans moi. Fin de moins une certaine petite chose. Peut-être concernant sur la vie.
qu'il n'est pas si content, les autres disent qu'on connaît. Il fait moi confiance, il dit à moi, mon père, toi, telle qu'il chose, pas dire sa personne, mais seulement. Mais moi qui m'en fais, moi, le fan, sa nouvelle là partout. Comme dit, il dit à moi, elle dit tout. Ou soit, concernant la promesse, man qui respecte les autres promesses. Je promets tel jour, je besoin de lui tel jour, tel l'air, je respecte la promesse là. Et non pas, je ne pas aller à ce rendez-vous là. Je fais du monde là dérangé, fini, après moi, je ne pas aller. Quand je téléphone moi, je suis pour table là. Quand je téléphone moi, je suis moi, je suis pour table là. Plus facile pour moi. Plus facile, t'es un peu au table là. Laisse les gens là sonner comme ils ont envie. Il y en a certains gens qui sont comme ça. Il y en a certains gens qui sont comme ça. Ils donnent rendez-vous. Si il n'est pas capable de venir arriver, il y a un empêchement. Il fait connaître. Avant que les gens là finissent son outil pour venir à rendez-vous là, fait les connaître. Fait arriver tel problème, on va plus capable de venir. Et nous, on parle, il y a un peu au table, les gens là restent téléphonés. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Ban qui préserve votre namaz. Qui veut dire préserve namaz, votre faire votre namaz? Quantité que Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit 5 fois par jour. Pas une fois par semaine, des fois par année, non. Pas quantité que moi, mon envie. J'ai dit, moi, vous faites 2. Demain, vous faites 3. Après, demain, vous faites 1. Non. Quantité que Allah fait prescrit. Et dans l'air qui Allah fait prescrit. Pas moi qui décide qu'il aime faire namaz. L'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Et vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala, le film commence concernant la description, sa bonne action là, l'action qui amène vers réussir, il commence par namaz. Qui n'a pas de namaz, il termine par namaz, qui préserve cette namaz. Tout ça là montre nous. Que Naman, c'est un moyen pour qu'un démon lui fasse réussite. Comment nous connaissons une parole qui est dans l'adhan, quand le mu'adhin dit Hayya ala al-falah, vient faire succès. Vient faire succès. Combien parmi nous qui finissent comprendre que mon succès les trouve dans Naman? Mon succès les pas trouve dans mon business. Mon succès les pas trouve dans mes enfants. Mon succès les pas trouve avec mon madame. Mon succès, il trouve dans la manse. Chacun parmi nous, nous connaît combien la manse nous fait par jour. Chacun parmi nous, nous connaît. Chacun parmi nous, nous connaît combien la manse nous fait par jour. Et donc, à travers ça, nous vous connaissons. Est-ce que vraiment, moi, c'est lui qui a envie de réussite ou soit nous? Ou envie vraie réussite ou soit nous? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il termine avec sa bonne action-là, quand il finit manger sa bonne action-là, Allah dit Oulaïka humul warithoun. Sa bonne-là, c'est mon héritier. Allavina yarithoun al-firdaus hum fiha khalidoun. Ban ki vous hérite al-firdaus pour l'Adam éternellement. Donc, sa bonne action-là, qui fait faire, mon croyant fait réussite, qui réussit ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est mon héritier de al-firdaus. Ban héritier, ban qui vous hérite al-firdaus de paradis, c'est pour l'Adam éternellement. Vous êtes pour l'Adam éternellement. Ça, c'est concernant quelques ben, moyens qui est là, qui vous amène vers sa vraie réussite là, qui vous amène vers paradis. Je veux dire, un démon, il donne priorité. Akhirat, il prépare son akhirat. L'obéissance à Allah et l'obéissance au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, faire une bonne action, tout ça là. Les pour amener un démon vers sa vraie réussite là, c'est-à-dire paradis. Donc, chacun parmi nous, comment nous finissons dire, si nous faisons comprendre réussite par sa manque de choses, moderne là, allons sans sa définition là. Comprendre vraie définition de réussite, qui veut dire, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait venir rendre de paradis. Si nous gagnons le Coran, si nous lisons le Coran, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il finit cause concernant le paradis, Allah dit ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز المبين. Ça c'est une grande réussite, ça c'est une réussite, un succès clair. Tout ça là vous faites nous comprendre qui nous réussit les vins à travers ces gens là
quand les fins rentrent de paradis. Imagine-nous un démon, les fins mettent ce premier pas de paradis. Ça démon là, les capables dire que oui, mon frère réussite dans mon avis. Mon frère réussite, qui fait? Parce que ça démon là, les bien vivent dans une place contre les bouts de jouissance. Les bien vivent dans une place. La humma yasha'una fiha. Quand ça dit mon là, les bougais, c'est qu'il y a envie. Quand pas bon à l'amour, pas bon à malade, pas bon à stress, pas bon à mousser, pas bon à n'ayer. Ça dit mon là, les pour loin de sa manne qui chose qui est dans l'eau du là. Les beaux vivent la vie paisible. Les beaux vivent la vie joyeuse. Une la vie remplie de tranquillité, de jouissance. Et ça, la vie là, il va pour un jour, il va pour un mois, une semaine, un an, non, quelques bananes, non. Éternellement, peine à la fin. La vie de paradis, c'est une la vie qui pas pour une à la fin du tout. La cause qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait nous connaît, qui est celui jour qui a mal, il rentre dans le paradis, ça dit mon là, il peut c'est qui a envie. Ça dit moun la, peine à l'amour, peine à malade, peine à n'anye, peine à la guerre, peine à putain n'anye, aucun reproche n'anye. Ça dit moun la, ça c'est vraie réussite. Demande-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah aide-nous pour nous comprendre la définition vraie réussite et qui Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous faire une action qui nous amène vers sa vraie réussite là. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.